Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de 2 minutes un outil ou un outil 2 minutes comme vous voulez. Les petites vidéos, j'essaie de vous présenter un de mes outils en 2 minutes. Petit disclaimer, bien sûr, ces outils je les ai achetés moi-même. C'est pas des vidéos sponsorisées, mais si les gens ont envie de me sponsoriser, m'envoyer du pognon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une agrafeuse pneumatique. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos des agrafeuses pneumatiques, puisque j'ai celle-là, qui est une agrafeuse clouteuse pneumatique, que littéralement j'ai acheté il y a 6-7 ans, 50 balles, sur ma Amazon, qui marche encore très bien, qui est là pour plus pour de l'aide à la construction. Alors, j'ai mis de la colle PU partout, elle est un peu cracra, mais elle marche encore. Qui prend des clous et des grosses agrafes. Aujourd'hui, on va voir un autre modèle qui, elle, ne prend que des agrafes, puisque c'est une agrafeuse. Pour vous donner un peu une idée de la différence des agrafes, voici les agrafes que j'utilise avec ma cloueuse agrafeuse. Et voilà les agrafes que j'utilise pour ma nouvelle agrafeuse. En gros, celle-là, elle ne fait que agrafeuse. C'est comme une petite agrafeuse à main que vous avez pour agrafer des choses à droite à gauche, sauf que celle-là, elle est pneumatique. Déjà, son prix, ça coûte à peu près une cinquantaine d'euros. Elle prend des agrafes, je vais vous dire exactement quel type d'agrafe. Donc ceux-là, c'est des 8 mm de large, c'est du modèle 53, ça veut dire 11,4 mm de large et 8 mm de haut. Je l'ai acheté sur Amazon à peu près une cinquantaine d'euros. Je me suis acheté aussi les agrafes qui vont avec. La caractéristique, bah, c'est relativement simple à utiliser. Là d'ailleurs, j'en ai plus. Je vais mettre des agrafes. Voilà, je mets les agrafes. Je referme le petit compartiment. Je le branche sur le pneumatique. Une seconde. Donc je le branche sur mon câble pneumatique. Et pif paf pouf, je peux commencer à agrafer. Alors, vu la taille des agrafes, c'est bien sûr pas pour faire de la construction, au contraire de ma grosse, enfin de ma un peu plus grosse clouteuse agrafeuse, celle-là vraiment c'est pour agrafer des machins. Donc ça peut être du tissu, ça peut être du bois très fin, ça peut être du papier, des choses comme ça à droite à gauche. Et ça marche comme une agrafeuse. Hop, ça y est, j'ai mon agrafe. Le gros intérêt c'est ça. Je laisse appuyer sur la gâchette et... Et ça, ça permet vraiment d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Le gros intérêt du pneumatique, bah, c'est que il y a très, très peu de parties qui bougent. Ça vieillit très, très bien. Comme je disais, celle-là, elle a au moins 6-7 ans et ça m'a coûté aussi 50 balles. Vous avez des modèles un peu plus solides, mais beaucoup plus chers. Pour moi, celle-là, c'est amplement suffisant. Je l'utilise en général pour certains des socles, pour coller et agrafer à l'intérieur du scratch pour pouvoir scratcher en fait les scratchs mâles ou femelles qui sont mis sur les bulles. Ça marche très très bien. Je suis très content, 50 balles, ça vaut carrément le prix. Il y en a des beaucoup plus chers qui doivent être beaucoup plus solides et avoir beaucoup plus de fonctionnalités, mais celle-là, bah, juste tu mets, t'appuies et ça agrafe. Le réglage bien sûr de l'air se fait sur votre compresseur et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. C'est un achat, je sais pas quoi dire en fait. Tiens, je vais agrafer un bout de tissu pour te montrer. Imaginons que j'ai envie de le mettre ici. Par exemple comme ça, en tirant correctement. Et voilà. C'est pas beau ça? Non, c'est pas beau. Mais ça marche. C'est typiquement le genre d'outil qui paye pas de mine, mais qui est super utile. Et qui justement, aussi bien pour des projets barbus que dans le cadre de ma vie professionnelle, me sert super souvent. Et vraiment très très utile.
Donc 50 balles. Quoi dire d'autre? Ben, comme d'habitude. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les moyens de me contacter sont dans la description. J'ai mis aussi un petit lien d'affiliation vers cet agrafeux si ça t'intéresse. Tu peux bien sûr laisser des commentaires. Et évidemment, tu t'abonnes. Ben, écoutez, moi, cette agrafeuse, en tout cas, elle est giga validée. Donc, elle va aller prendre un coup de peinture et rejoindre le clan de mes outils. À très bientôt et à la prochaine.